Après, dans le jeu, je pense qu'il y a eu plus d'intensité que le match précédent, en tout cas sur tout le match. Et on n'a pas su être juste, on n'a pas su concrétiser sur notre première, enfin, nos occasions, notamment en deuxième mi-temps. Au départ, on a mis beaucoup de pression, les coups de pied arrêtés. On a pas pu faire la différence et c'est dommage. Je pense en grande partie dû à notre justesse, on gâche des possibilités à cause des centres mal ajustés. Voilà, il faut accepter le résultat, mais il faut se remettre au travail parce que dans 3 jours, on recommence. Non, on est dans une bonne condition de travail. On a fait des protocoles pour cette période de match tous les 3 jours. On les respecte. Voilà, il faut accepter qu'en face de nous, on est des guerriers, des gens qui veulent nous battre, c'est normal. On est premier, on a invaincu, tout le monde veut nous battre, c'est comme ça, le championnat, vous le connaissez mieux que moi. Et il faut l'accepter, trouver des solutions, pas des excuses. Et les solutions, c'est aborder ces matchs avec beaucoup d'intensité et puis travailler la précision dans les dernières places. Non, je suis pas inquiet. Sur le premier match, on a raté notre première mi-temps. Ça, c'était vraiment dommageable. Il fallait mettre plus d'intensité. On est revenu en deuxième mi-temps. Là, on a rectifié, mais on n'a pas été assez juste. Et il nous a manqué toujours ce petit brin de réussite. Mais la réussite, il faut la provoquer. Donc, des occasions, on les a. Mais maintenant, il faut les concrétiser par les bons gestes techniques et la volonté. Il faut changer les choses. Parce que c'est vrai qu'en termes de résultats, c'est insuffisant. Je dis, c'est d'abord mon choix. Et il y a un règlement. Ce n'est pas moi qui fais les règlements. Il y a 8 étrangers, je ne peux en faire jouer que 6. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas dire autre chose. Voilà. Maintenant, ceux qui étaient sur le terrain, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On aurait pu mieux faire, mais je pense que je suis pas. Je comprends la déception des fans. On ne gagne pas tous les matchs, mais on va faire en sorte que le prochain, on le gagne et ils chanteront les joueurs qui sont sur le terrain. Vous savez, quand il y a un joueur qui ne joue pas, c'est toujours avec l'entraîneur qu'il a. Et jamais avec ses coéquipiers, jamais avec les fans. Moi, j'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je fais mon travail, les joueurs font leur travail. Et voilà. Après, mon travail, c'est de faire des choix. Je fais des choix avec des règlements qui nous pénalisent, puisqu'on a 8 joueurs et on peut faire que 6. C'est dommage, il fallait en prendre que 6. Comme ça, j'aurais eu moins de problèmes, moi, en tout cas. Mais voilà. On est tous au travail, tout le monde travaille bien et l'avenir, on va essayer de changer les choses pour rassurer les gens. Après, il n'y a pas péril dans la demeure, le championnat va être long, très long. Et pour l'instant, on est sur 2 matchs nuls, c'est pas bien. Mais dans le contenu, sur le dernier match, ce soir, c'était plus encourageant que le match précédent. Les fans sont contents quand on gagne. On a gagné des matchs où on n'était pas vraiment pas très bon et ils étaient contents. Moi, je me fixe toujours par rapport au contenu du match. Ce soir, je pense qu'on doit ajuster nos centres, on doit ajuster nos courses dans la boxe, avoir peut-être plus de détermination. Mais dans le jeu, c'est difficile de reprocher des choses à des joueurs qui ont tout donné. Et voilà. Le baromètre, c'est le contenu des matchs, combien vous avez d'occasions. Et après, bien sûr qu'il faut les concrétiser. Mais il n'y a pas d'inquiétude, on travaille, on est toujours concentré, on a encore 6 points, il y a 6 points à prendre et on va essayer de faire le maximum. Pardon? Alors Gilbert a une entorse sur le dernier match, il est sorti blessé. C'était trop juste, il n'aurait pas été à 100%. Et puis c'était aussi sur ces matchs à 3 jours. Il faut faire jouer les joueurs à 100%, à pas mettre à 100%, et c'est pour ça que, de toute façon, Gilbert c'était impossible qu'il puisse tenir sa place. Comment la situation des budgets de poche? Banga. Ouais, Banga, c'est le choix de l'entraîneur. On a meilleure défense. On me dit, ouais, pourquoi? Pour Cassie, j'ai la meilleure défense. J'ai 2 jeunes Rwandais qui jouent, qui tiennent leur poste. Qu'est-ce que je peux faire? C'est dommage. C'est dommage pour lui, mais il travaille bien. Il n'y a aucun problème avec lui. Et je pense que quand il va rentrer dans l'équipe, il sera difficile de le déloger. De donner des bons ballons dans la boxe. On avait 2 attaquants. C'est vrai qu'ils ont eu des ballons, mais bon, pas forcément facile à négocier.
Et il faut qu'on travaille ça. Le problème, c'est qu'en ce moment, on ne peut pas travailler ça. On joue tous les trois jours, on est qu'en récupération. Mais vous l'avez remarqué, c'est vrai, en deuxième mi-temps, on a haussé le rythme. Et la blessure de Claude nous fait mal parce qu'au milieu, on tenait le milieu, mais c'est comme ça. Et il faut qu'on se concentre sur le prochain match et surtout sur ces derniers gestes qui sont importants pour mettre les attaquants dans de bonnes conditions. Mais il faut que je trouve des solutions pour gagner les deux prochains matchs et que les fans soient heureux. Moi, j'aime bien quand les fans sont heureux. Donc, on va faire en sorte de gagner ces deux matchs. Ça ne va pas être facile, mais pour le reste, c'est un peu trop long. Coach, le choix de Claude à la place de Tadeo, quelle est votre intention? Alors, mon intention, c'était d'avoir des joueurs dynamiques parce qu'en face, il y a des joueurs de grande qualité qui jouent à terre. Et donc, j'avais envie qu'on ait des joueurs dynamiques au milieu pour récupérer des ballons, mais aussi pour jouer. Voilà, c'était mon intention. Dommage qu'on n'ait pas pu aller jusqu'à la fin du match. Merci.